Yo les gens, c'est Fer, j'espère que vous allez bien et vous l'aurez vu au titre de cette vidéo, on se retrouve pour un top 8 des morts les plus marquantes de la licence. Alors pas les plus tristes, on vous avait fait un top 8 des morts les plus tristes il y a à peu près 6-7 mois. Et on s'est dit que pour ce deuxième top qui serait disponible sur la chaîne, bah il serait pas mal de vous faire un top des assassinats les plus marquants de par leur direction artistique, leur dialogue et plein d'autres choses encore. Alors si jamais la vidéo vous plaît, bah n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en dessous de la vidéo et à nous le faire savoir dans les commentaires. Et sans plus tarder, c'est parti. Pour protéger ceux que tu aimes. Oui, tu as raison. Et c'est ce que j'ai fait. Les Auditori ne sont pas morts. Je suis toujours là. Moi, Ezio. Ezio Auditore. Le tyran est mort! Vous êtes libre! Je te connais. Toi qui frappes depuis les ombres. Le même sort s'abattra sur tous les despotes. À la fin, il est impossible de ne pas devenir ce que les autres voient en toi. Et j'ai été un dieu! Il existe un nouveau credo. Rome est éternel! Il ne tombera pas devant toi, ni les tiens. La liberté ne se donne pas, César. La liberté se prend. Tu prépares quelque chose avec tes alliés. Et mon père avait tout découvert. C'est pour ça qu'il est mort. Pauvre fou. Tu espérais peut-être une confession? Pezzo di merda! J'aurais voulu que ton agonie soit beaucoup plus douloureuse. Tu as le sort que tu mérites, tu m'entends? J'espère que tu... Arrête, Ezio. Un peu de respect. Du respect? Après ce qu'il nous a fait? Et lui, vous croyez vraiment qu'il nous aurait traités avec plus d'égard? Tu n'es pas Vieri. N'agis pas comme lui. Tout est en place. Il a enfin entendu raison. Quelle est notre part? Trois des... Attendez ici. Veillez à ce qu'on ne soit pas dérangé. Super. Monsieur Latouche.
Je viens voir le roi des mendiants. Suivez-moi. Les intrigues des rats! Idiot prétentieux, si jamais je mets la main sur lui! Eh bien, qu'y a-t-il de si important pour m'éloigner de ma fille? Tu as gagné ta récompense, ami Dello! La gloire de ma mort! Quoi, c'est tout? L'âge de père et son sacrifice futile. Admire le prix de notre guerre, ami Dello. La moisson de trois générations entières. L'ont oublié. Tout ça pour rien. Admire le prix de notre guerre. Le clan ne sera pas oublié. Le clan ne sera pas oublié. Ainsi, avec tant de vigueur, pour survivre parce que je sais ce qui nous attend tous. Rien que les ténèbres. Oh ! C'est toi le Medjay de Siwa ? Je croyais que les Medjay devaient protéger le pharaon. Je ne suis le Medjay d'aucun pharaon. Tu vois ça? Je sais lire mon propre nom, Nek! On te trouvera! On te trouvera! Dans ton sommeil! Dans mon sommeil, je ne dors jamais. J'attends, moi. J'attends dans l'ombre. Et je vous tuerai tous! Tous ceux qui ont respiré l'air de Siwa ce jour-là! Jacob! Amy, maintenant! Tu es prêt? Je suis prêt. Londres périra sans moi. Tu te prends trop au sérieux. J'en aurais fait un paradis sur terre. Cette ville appartient à ses habitants. Vous n'êtes que l'un d'eux. Mais je suis à la tête de l'ordre. Tu l'étais, Starik. Tu l'étais. Et c'en est déjà fini pour ce top 8 des morts les plus marquantes de la licence. Si jamais on a oublié une mort que vous auriez bien vue dans ce top, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. On sait jamais, il pourrait y avoir un épisode 2. Et si vous avez des autres idées de top également, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Ça peut donner des idées de vidéos pour la suite. Mais enfin bref, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement et le partage si ce n'est pas déjà fait. C'était First pour la Last Experience en direct de vos écrans. Et paix et sérénité.